il est 8h, je me suis levée à 7h30. Autant dire que j'ai pas du tout l'habitude de me lever tôt, mais ce matin j'ai une prise de sang à faire. Donc il m'a dit, c'est un infirmier qui vient à domicile, qu'il naît entre 8 et 9h. Donc là c'est 8h05, donc on verra. J'ai une prise de sang énorme, j'ai 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 12 trucs de marquer. Donc j'espère que ça fera pas 12 tubes. Parce que sinon je pourrais jamais, moi, mon sang ne coule pas. C'est super chiant. La dernière fois il est venu, il avait genre 2 ou 3 tubes à remplir. Donc il a dû me piquer un bras. Ça coulait pas. Il m'a piqué deuxième. Ça coulait pas plus, mais il en a eu un petit peu. Et dans l'après-midi, il m'a écrit pour me dire que ça suffisait pas. Donc il devait revenir le lendemain matin pour me piquer une troisième fois. Donc là, on a Dina qui attend ses croquettes aussi, comme tous les matins. Donc là, ce matin, j'avais un peu envie, du coup, vu que j'ai le temps, puis ça, c'est pas très long à faire. J'avais envie de tester. J'ai trouvé pour faire des pancakes aux œufs et aux flocons d'avoine. Donc, faut tout mettre dans un mixeur apparemment. Et ça nous fait une pâte. Donc, j'avais envie de tester ça. Bon alors, du coup j'ai arrêté les pancakes parce que déjà d'une, ma pâte est beaucoup trop épaisse. J'ai mis trop de flocons d'avoine dedans. Donc du coup ça coule même pas, c'est trop épais. Mais j'ai quand même voulu en faire cuire un pour voir le goût que ça avait. Mais le truc, je vais vous montrer, voilà, on dirait du béton machin. Bon, après c'est vrai que ma pâte était pas nickel. Bon, et franchement je l'ai goûté. Mais c'est dégueulasse, ça a pas de goût. Bon, après les flocons d'avoine, c'est vrai que ça a pas de goût. Mais là, du coup, j'ai rajouté que des œufs dedans. Et c'est dégueulasse. Bon, après, c'est vrai que c'est censé être des pancakes un peu pour les sportifs parce que c'est un truc protéiné, œufs, flocons d'avoine, tout ça, c'est. Puis de toute façon, les trucs protéinés, faut dire ce qu'il y a, ça a jamais de goût. Mais là, franchement, je suis grave déçue de ça. Donc, bah, tant pis, je vais déjeuner du coup mes céréales comme d'habitude. Ça, au moins, je sais que ça a du goût. Bon, ça y est, il est venu.
Il m'a piqué, donc ça faisait 4 tubes. Les deux premiers sont bien remplis, les deux deuxièmes étaient un peu plus longs, fallait attendre, mais bon, ça a été. Je voulais vous montrer une gifle que j'ai achetée à Pipki. Donc, c'est une gifle pour ma mère. Je vais me reculer un peu. Et elle l'a vu, elle l'a trouvé trop belle. Donc, du coup, mercredi, quand j'ai été au kiné, vu que je passe devant Pipki, je lui ai acheté. Donc, c'est une jupe en jean, je sais pas si on voit bien. Une jupe en jean boutonnée sur le devant milieu. Bah, le derrière, il est tout simple, il est en jean aussi. Donc, elle coûte 19,99 €. Donc, de toute façon, je vous mettrai le lien en barre d'infos si jamais vous avez un coup de cœur dessus aussi. Bon, là, je suis chez ma soeur, il y a ma mère qui va à manger. Là, on mange chez elle. Et après, on part dans un magasin de déco. Parce qu'on doit donc trouver de la déco pour une salle où on va faire thème oriental. Donc on va trouver, bah, c'est de la déco vite fait, c'est déco, juste la nappe, les serviettes, on va pas mettre de déco autre. C'est juste le principal. Donc là on va manger. On va manger donc gratin que ma mère a fait, steak haché, gratin de chou-fleur, steak haché qui vient de la boucherie halal d'en face. En dessert, ma mère a fait un début, ma soeur a fait des muffins de muesli à banane, et puis bah moi j'ai fait. Moi, je suis à bouffer. Donc ça y est, on est rentré chacun chez soi. Donc on était dans le magasin de déco quand je vous ai mis des petits morceaux de vidéo avant. Donc on a hésité pas mal entre blanc doré et blanc argenté. Et finalement on a pris blanc, non pas blanc, noir, pardon. Parce que moi au départ je voulais blanc argenté. Finalement, on est passé sur du noir doré et on a comparé avec noir argenté. Et finalement, moi, j'ai préféré noir argenté, ma mère aussi, et ma soeur aimait les deux. Donc, on a pris l'argenté. Donc là, il est 17h30. Comme d'hab, de 17h à 18h, je regarde. Maman est célèbre. Là, je suis pas sûre, mais je crois que c'est de la
Il me semble que c'est la dernière semaine. Ouais, ça doit être ça parce que on revoit un peu tous les instants. Donc, à mon avis, on a essayé la fin, mais apparemment, j'ai vu sur les réseaux qu'il y aura une saison 2. Mais je sais pas quand est-ce qu'elle va commencer. Donc, ma foi, on verra. Sinon, qu'est-ce que j'ai d'autre à vous dire? Je crois que c'est tout. Je vais vous souhaiter une bonne soirée, une bonne semaine, puisque demain on est lundi. Je voulais vous dire aussi de ne pas hésiter à aller me suivre sur Instagram, parce que je poste beaucoup plus de photos qu'avant. Je suis plus active. Je sais qu'il faut que je me mette aussi à faire des Insta stories, mais ça, c'est encore pas trop. J'ai pas le réflexe de filmer avec mon téléphone, même quand je sais que je dois vlogger comme aujourd'hui. Parfois, j'oublie de sortir ma caméra. Du coup, c'est encore quelque chose où je dois pas mal m'améliorer. Et aussi concernant donc les rushs de vidéos que je vous ai mis, donc un peu je sais pas trop comment ça s'appelle, et la machine, donc c'est ma soeur qui l'utilise pour se verticaliser, donc je sais pas comment ça s'appelle, je lui demanderai et je vous le mettrai. Vous l'écrirez sur l'écran. Donc elle se verticalise debout avec. On voyait donc quelqu'un à côté d'elle, c'était son kiné. Donc toutes les semaines, 2 fois par semaine je crois, elle se met debout avec son kiné et avec l'aide de la machine. Et apparemment ça a l'air plutôt pas mal, elle a l'air d'en être assez contente. Seul point négatif, c'est que c'est assez encombrant. Et voilà, sur ce, je vous remercie d'avoir regardé la vidéo de ma petite journée. Je vous fais des gros bisous. Je vous souhaite encore une fois une bonne semaine. Si vous regardez la vidéo dimanche, évidemment. Et je vous fais des gros bisous.